Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en Zentangle. En premier, j'ai suivi le tuto d'une dame. C'est Tracy Ann Wilkinson. Elle a une chaîne vidéo. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait celui-là à ma façon, avec la même forme de feuillage, si on peut dire. Ensuite, j'ai fait celui-là. Et hier, je me suis amusée à faire celui-là. Voilà. Donc, je vais vous faire voir comment j'ai fait celui-là. Cette fois-ci, je vais le faire sur du papier blanc. Vous aurez besoin d'une feuille de papier blanc dessin de 20 sur 5, une petite bordure. On fait une petite bordure à 0,5 cm et on trace un trait à 2 cm. Donc, je vais vous faire voir. Ah oui, je vais vous faire voir comment on fait le feuillage. Tout simple. Comme ça. Et puis ensuite, un petit trait au milieu et deux petits points. Nous, ce qu'on va faire, c'est celui-là. Donc, voilà, ça a certainement un nom dans le Zentangle, mais je ne sais pas, j'ai pas trouvé. Donc, on va commencer. Donc, le matériel, le papier, un stylo feutre fin. Moi, c'est un stylo du Leclerc, la marque Esquisse. Un stylo gel blanc. Il vient de chez Monsieur Bricolage. Le problème avec ces stylos-là, c'est que lorsqu'il y a un fond, soit à la peinture, soit au crayon de couleur, il ne marque pas. Un crayon gras blanc, pareil, de chez Monsieur Bricolage. Un crayon pour le papier. Une estompe, pareil, Monsieur Bricolage. Une lime en carton, c'est pour voilà, moi il est bien sale, donc on le nettoie. Voilà, on fait comme ça. Alors les estompes, en fait, c'est du papier, c'est fait en papier, papier qui est roulé. Ça doit être faisable. Une gomme. La mienne est très sale. Des crayons de couleur. Donc moi j'ai des Prismacolor que mes fils m'avaient offert il y a 2 ans de ça à Noël. Ou pour mon anniversaire, je ne sais plus comme c'est dans le même mois. Je vais faire un bleu. Je vais utiliser un stylo gel bleu pour faire ça. Je ne sais pas si vous voyez, il est très très lumineux. Alors, attendez, je vais me lever puis je vais. Non, on ne voit pas trop. Donc, c'est parti. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Avoir fini la vidéo, mais je ne l'ai pas fini, donc je vais rajouter des ombres sur chaque pétale. Donc c'est, je vais mettre du crayon à papier dans l'arrondi comme ça sur tous les pétales, et ensuite je passerai l'estompe. Je vous fais voir. Alors, le crayon, vous le passez toujours dans le même sens. Vous prenez un papier pour protéger, parce qu'après vous allez avoir les mains toutes noires. Maintenant, il ne reste plus qu'à les plastifier. Bye bye, à bientôt.